Salut à toutes et à toutes, c'est Tony Warrior et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors comme prévu, ben là je vais jouer à Darksiders 2. Oui, parce que je n'ai pas encore le... Je l'ai pas trouvé. Aïe. Et du coup, ben, je vais essayer de faire un let's play. Alors, on va démarrer tranquillement. J'essaierai qu'on entende toute la vidéo parce que ça serait bien quand même pour vous. Alors voilà, ça commence comme ça. Alors franchement, bon, je l'ai, désolé, hein, je l'ai déjà essayé, mais franchement, il est vraiment pas mal, je l'adore. C'était juste pour le tester un petit peu avant de faire les vidéos. Donc là maintenant, je vous fais les vidéos. Allez hop. Maintenant, je vais faire... Je ne veux pas charger. Je suis obligé de charger ou pas? Je sais pas si je suis obligé de charger, c'est ça qui est un peu chiant quand même. Bon, on dirait. Retour sur le périple de Death. Or, bon, là je vais commencer une nouvelle sauvegarde, hein, mais il faut d'abord que je fasse autre chose, apparemment. Le chaudron était froid, mais le cavalier raviva ses flammes. Ah, attendez, je fais plus fort. Cet espoir dans le cœur des fondateurs. Pour la vie et pour ceux qui dorment sous la terre. Voilà. Oula, alors là je suis où là? Je sais pas, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Quitter la partie, peut-être. Voilà. Alors désolé, hein, parce que vu que j'avais déjà. Comment appelle ça? J'avais déjà commencé une partie, du coup je sais pas trop comment on fait pour en faire une nouvelle. Alors on va voir. Oui, retour au sauvegarde. Emplacement. Voilà, ça y est. Voilà, je mets le gamma un peu sombre, moi ce sera bien. Difficulté normale pour commencer, c'est pratique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser un peu écouter les cinématiques parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Oh, merde. Désolé pour le bougement de la caméra. La vie ne peut exister sans l'ordre. Bien, mal, lumière et ténèbres. L'univers a besoin d'harmonie. Ainsi l'a décrété le Conseil Ardent. Une entité chargée par le Créateur de préserver l'essence même de l'existence. Mais l'équilibre a été rompu. La Terre a été ravagée par les seigneurs des enfers. Et le Destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus. Certains prétendent que Mort a déclenché l'Apocalypse. Qu'en allant sur Terre trop tôt, il a condamné l'humanité. Mais qu'en est-il des autres cavaliers? Ces puissants agents du Conseil, où sont Fury, Strife et Death? Pour les connaître, il faut connaître un autre nom. Les Nephilim, hybrides maudits d'anges et de démons. Les Nephilim dévastaient sans pitié d'innombrables royaumes. Mais quatre d'entre eux se lassèrent du carnage, inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre. Un pacte fut alors forgé. Les quatre serviraient le Conseil en échange d'un pouvoir inimaginable. Ainsi apparurent les cavaliers. Et leur première tâche fut de débarrasser la création de leurs frères, d'exterminer les Néphilim et de détruire leurs âmes. Intéressons-nous maintenant à l'un des quatre.
enchaîné aux pieds du conseil, clamant en vain son innocence. Mais celui qui veut sauver son frère par-dessus tout, il porte de nombreux noms. Bourreau, faucheur. On l'appelle Tess. Moi, franchement, je veux pas dire, mais là, c'est quand même juste magnifique. Les premières vidéos comme ça, c'est vraiment beau. Moi, je veux pas dire, mais là, franchement, c'est totalement à la classe. Le cheval, comme ça, magnifique. Attendez, prochain peu de son. Voilà. Il est magnifique, ce cheval. En plus, je trouve que les graphismes sont super bien faits. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal, ce jeu. Après, vous me direz ça dans les commentaires. Alors là, en avant. Ouais, je connais un peu les touches, hein, mais bon, voilà. Bon, on va dire que ça, c'est pas grave. Voilà. Bon, j'espère que vous entendrez bien les paroles quand je mettrai le son un peu plus fort, des fois, dans les cinématiques. Ce serait bien. Au pire, je mettrai les sous-titres. Enfin, j'essaierai. Et on verra. Ah, par contre, je me souviens plus comment on fait. Ah voilà, c'est bon. Je me rappelle plus comment on faisait le sprint. Allez go. Et là, déjà les premiers ennemis. Ouais, t'inquiète, tu connais les esquives. Allez, c'est bien, t'es mort. Alors, on va s'en équiper une hache. Pratique. Après, j'ai eu un marteau. Bon, on prend, mais bon, c'est les mêmes dégâts. Hein. Et là, j'ai vu encore un truc. Bon, ça, ça chie. Ah, bon, déjà, on débute. Ah, ça, j'aime bien ça. C'est une grosse arme de malade, franchement. C'est un truc de fou. On se demande où il la range, hein, franchement. Allez, on avance. Alors, la première barre que vous voyez tout en haut à gauche, la toute petite en blanche. Attendez, je vais faire un zoom dessus. Voilà, la barre blanche, c'est le niveau d'XP. Vert, c'est la vie. Et celle qui est en dessous, en fait, c'est bleu. Mais ma caméra est pas trop forte avec les graphismes. Ouais, bon, elle est à peu près bleue, bon, bref. Et donc, en fait, ça, c'est le mana. Enfin, l'espèce de mana, en gros, on va dire, quoi. Oh, attendez, je remets bien la caméra. Voilà. Ça devrait être le bon. Voilà. Alors, hein, désolé, hein, j'ai toujours pas d'HDP VR, ça me saoule un peu, mais bon. Voilà, je peux pas trop... Je vais essayer d'avoir bientôt, comme ça, au moins, je pourrais vous fournir des vidéos de qualité. Sur un Blue 3 comme sur n'importe quel autre jeu, ce serait pas mal. Là, alors lui, si on le voit pas, on le voit plus, franchement. Allez hop,
Non, super attaque. Hop, on équipe ça. Et hop, le combo de la mort qui tue. On charge la puissance. Boum, en un coup. Hop, on prend, ça peut toujours servir. Ah oui, les piliers, ça sert à... Faut sauter dessus. Alors, tout simple. On saute. Hop. Hop. On fait LT et on saute. Ah. Le voit. Alors, toi, mon coco, t'es mort. Genre, t'as rien pris. Ah si, en fait, t'es mort. Il a rien compris, le pauvre. Alors, il n'y en a pas un autre. On dirait pas. Il n'y a rien. Alors moi, j'aime bien fouiller ce jeu. Enfin, tous les jeux un peu comme ça. Et de toute manière, dans ce jeu, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut tout le temps fouiller, en fait. Donc, je compte bien fouiller. Ne vous inquiétez pas. Hop là, double kill. J'ai rien. Ah, c'est dégoûté. Ouais, bien. Toc. Ah, c'est à gauche. Toc. Allez, hop, on monte. C'est bien. À droite. Voilà. Et encore à droite. Et hop, B. Oh, bah c'est quoi là? Et coup critique. Et hop hop hop, c'est pick-up. Voilà. Bon, je l'ai mis en normal. Et quand même, ça va quoi. Ils sont déjà arrivés à me toucher. Oh, pratique. J'ai pu faire B maintenant pour leur faire super mal. Merde, c'est comment les gars? Ben, je veux faire B, moi. Pourquoi ça marche pas? Ma foi, ça a pas voulu marcher. Bref. Hop, on monte aux lianes. Et hop, on tombe. Ah non, même pas. Alors, on tombe. Alors, y a rien là. Ah, ben voilà, il y a un ennemi là. Pourquoi je peux pas faire B? D'ailleurs, je pouvais faire B, ma foi. Ouh, attaque suprême. Bon. Ah ouais, c'est pratique pour le paralyser, ça. Ouh, combo de fou. Alors, ça en récupère. Et ça en récupère aussi. Bon, ça va, ils sont assez sympathiques avec moi, les monstres. Ah, une grande salle comme ça, ça ne peut être qu'un boss, à mon avis. Ben voilà. Qu'est-ce que je disais? Un géant de glace, à mon avis? Eh oui, c'est ça. Géant de glace. Hop, et hop, 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 esquive. Tu as trop cru. Et esquive. Ouh, ce que je lui ai fait. Ouais, je l'ai déjà tué. Oh, mais c'est trop rapide, c'est pas marrant. Oh là 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 là, c'était trop rapide là. Je me suis même pas amusé. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est ça notre force et tout. Allez, cours.
Hop, y'a rien. Allez, on active. Tout. C'est un méga ascenseur le truc. Je sais même pas pourquoi il est poussé ça le gars. Ah. Le pire c'est que le truc on dirait qu'il va tomber, quoi. Ça fait peur ça. Alors y'a rien. Voilà. Allez, descends. Allez, eh bien. Allez. Bon, trop rapide. Franchement, je suis trop fort. Cours, mon petit. Cours. Tout tombe. Il faut courir pour survivre. Franchement, je trouve, c'est... Les graphismes sont super bien faits. Là, je suis pas en HD sur parce que j'ai pas mon écran HD là. Mais franchement, quand même, elles sont super bien les couleurs. Bon après, je sais pas si avec la vidéo ça fait trop beau. Enfin, j'ai pas l'impression. Bon. Moi, franchement, dès que j'aurai un HDP vert, si vous voulez, je referai l'émission. Je vous montrerai parce que c'est vraiment beau. Bon. Ah voilà, B. Oh yeah. Trop de puissance. Hop, lui on attaque un peu, comme ça se réveille. Et puissance incarnée. Et on le finit à la... aux petites fauches. Parce qu'on était méchants. J'aime bien, franchement, quand il se balade comme ça. Je trouve que ça fait bien. Avec ses deux faux dans les mains, comme ça. Super beau. Merde. Non, c'est pas par là, c'est pas par là. C'est bien. Voilà, c'est par là. Hop. Yeah, c'est bien fait. Hop. On dirait qu'il marche à 2 à l'heure. Hop hop hop. Et hop là. Hop. Non. Et si. Y'a pas un truc en haut quelque part là. On sait jamais hein, franchement. Il pourrait peut-être y avoir des choses. Allez. Ouh, ça a l'air d'être méchant ici. C'est super bien fait franchement. Même avec la caméra là, ça fait beau. Bon allez, on continue. Je vais arrêter de parler de cette caméra. Hein. Allez, je mets plus fort, c'est une cinématique. Des cris, toujours des cris, un tourment sans fin. Gardien des secrets, j'ai besoin de ton aide. Je t'ai déjà aidé une fois, cavalier. Vois le résultat. Je maudis ce jour. Et toi aussi. Attention, vieux corbin. Je ne suis pas venu ici pour vous libérer. Du moins, pas encore. Je sais ce qui t'amène. Ton frère, le cavalier Warl, le conseil ardent l'a arrêté, va bientôt vous juger pour avoir condamné la Terre et décimé les humains. Mais pourquoi son destin m'intéresserait-il? Parce que vous savez tout. Vos secrets peuvent le sauver. Le conseil va le punir, briser ses pouvoirs et le jeter dans l'abysse pour cacher la vérité. Mes secrets peuvent prouver son innocence.
vitesse. Non, mais ils peuvent m'aider à effacer son crime. Restaurer l'humanité, pure folie. Si c'est le cas, c'est vous le plus apte à me guider. Si un moyen existe, tu le trouveras ici. L'arbre de vie. Attends. Ce que tu m'as donné, tu dois le reprendre. En échange de ces secrets, vous avez promis de garder le talisman. Non. Les voix, elles menacent et maudissent sans cesse. Elles veulent revenir. Tu dois le détruire. Non. Je ne peux pas. Tu as massacré leurs corps. Pourquoi garder leurs armes? Les voies et le portail. Tu ne passeras pas tant que je vivrai. Alors, très bien. Bon, je crois qu'il va y avoir une bagarre. Les Néphilim y connaissent un tourment sans fin. Veux-tu les rejoindre? Et ton frère War, serais-tu prêt à le tuer pour sauver l'équilibre? Il est innocent. En es-tu bien sûr? Oh oh. Je crois qu'il va y avoir bagarre. Oh, mais il fait mal le War là. Oh, ça allait déjà? Vas-y. Ouais, un combat d'action, ça j'aime bien ça. Ah, il est pas mort, sérieux? Oh, oh, oh. Non mais cherche pas, t'as tort. Hop, hop. Et Kung Fu Panda. Non, c'était nul. Mais bon, on m'en fout, je l'ai tué. Oh, double faux, ça va faire mal. Ah. Oh, il y a de la puissance là. Oh, peu cher, je l'ai tué. Ah, c'est trop con la vie, franchement. Mais bon, en même temps, on fallait pas me provoquer. Hein. Bon, allez, on va faire B, je vous remets le son. Je vais pas dire, mais ça la fout mal quand même. Bon, c'est beau. C'est dur d'être un cavalier, franchement. Il n'y a que de l'action comme ça, c'est... Les mondes de notre univers plongent lentement dans un abysse sans fin. Ravagés par le temps et la guerre, de nombreux royaumes disparaissent et retournent au néant.
mais certains restent éternellement au bord de l'anéantissement. Pour que création et destruction s'équilibrent. Et dans les derniers instants du combat, Tess fut bannie vers l'un de ces mondes à l'agonie, prêt à basculer dans les ténèbres. L'avait-on envoyé à sa mort? La réponse serait révélée dans l'avenir de Tess et dans son passé. Tiens-toi tranquille, tu es blessé. Toi, ne me touche pas. Ton arrivée ne présage rien de bon. Oui, je suis très inquiet. L'ancien, soyez plus clair ou vos craintes risquent de se réaliser. Où est l'arbre de vie? De vie? Ce monde est mourant. Rongé par le chaos et la corruption, on ne peut rien faire pour le sauver. Bientôt, l'arbre mourra lui aussi, et avec lui, ce qui reste de mon peuple. N'est-ce pas la raison de ta présence ici, cavalier? Je cherche l'arbre. Vos problèmes ne me concernent pas. Ouais, de la bagarre. Il me semble. Vas-y, tu veux te friter à moi? Oh, tu fais mal, toi. Déjà? Tu es fort, mais cette corruption n'a rien à craindre des lames. Trouve la sœur de la forge. Parle-lui du feu de la montagne. Aide-la, et tu pourras atteindre l'arbre. Quant à moi, je dois me remettre au travail. Ok. Et qui êtes-vous pour me donner des ordres? Un fondateur. Plus ancien encore que le conseil. Mes mains ont posé les fondations de nombreux mondes. Mais leur temps est révolu. Elles ne caressent plus que rarement la pierre. Vous ne voulez donc pas savoir pourquoi je cherche l'arbre? Je ne me permettrai pas de remettre en question l'un des quatre. Mais vas-y, dis-moi. Je dois sauver l'humanité pour réhabiliter War. Les cieux et les enfers s'affrontent sur cette terre brisée. La création tout entière vacille. Et au milieu de ce chaos se trouve ton frère. Il est innocent. Je n'ai jamais dit le contraire. L'arbre de vie a le pouvoir de contrôler la vie et la mort. Si tu parvenais à ressusciter l'humanité, tu serais en bonne voie. Mais méfie-toi, la corruption barre la route menant à l'arbre, où habite désormais une présence obscure. Ah, là c'est un peu plus con quand même. Alors, attendez, je vais faire un truc. Tiens. Cavalier. Oh yeah. Alors, back. Alors, héros funeste ou nécromancien? Alors, il invoque des ghouls, lance sur sa cible et porte des coups de faux violents. Bon, allez. On est des fous, on est des fous. Ouais. Alors, on va marquer L, B et A, pourquoi pas. Alors, on va chercher un petit peu. Le cheval ne passera pas. Ah, le cheval ne peut pas venir. Ceci est trop bête. Ah, il y a un coffre pas loin. Car je... Ah, voilà, indicateur. Regardez bien comment les coffres ils s'ouvrent. Je trouve que c'est vraiment stylé. C'est en fait une espèce de monstre en gros qui ouvre le coffre en deux.
Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est super bien fait. Je dois continuer seul. Ah, mon cheval ne veut toujours pas venir. C'est un gros feignant. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ah, on peut passer par là? Ah, bon, c'est pas grave. Une prochaine fois. Hein. Allez, on avance. Allez, on va y aller avec la grosse hache, ça y est plus bourrin. Ah tiens, il y a le corbeau là. Coucou le corbeau. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais sortir. Ah. Ah ben voilà, on voit encore mieux là. C'est super bien fait. Franchement. Tripetra. C'est quoi ça? Oh, il y a un Jean. Bonjour Jean. Parlez. Le cavalier, il était temps que tu arrives. Ouais. Le royaume des fondateurs se meurt. Nous sommes tout ce qu'il en reste. La vie d'un guerrier n'est jamais facile, l'ancien. Non, mais toujours très simple. J'ai toujours voulu mourir l'arme à la main, entouré de cadavres ennemis. Et quelle fin glorieuse vous attend, cachée derrière ces portes? Ah, on ne peut combattre la corruption, encore moins la vaincre. Seulement tuer ceux qu'elle a pervertis. Chacun des coups que je porte contre elle est un coup porté à mon propre peuple. Mais dites là-dessus, avant de m'accuser de lâcheté. Ouais, revanche du faucheur, j'ai vraiment acheté cette technique, oui. Alors, Tan vous a appris une nouvelle technique, la revanche du faucheur. Sélectionnez option entraînement pour découvrir d'autres coups. Pour utiliser la revanche du faucheur, appuyez sur RB pour une évasion vers l'avant. X. Sélectionnez liste des techniques dans l'inventaire pour revoir les coups. Ok. J'aime bien me combattre contre ça, je trouve que c'est marrant. 408 de dégâts, ah j'adore. Ah bon bah lui il tape aussi tout seul, hein. Il est un peu bizarre. Oh tiens, bonjour. Par la pierre, les rumeurs disaient vrai. Un cavalier sur nos terres. Je suis Alia, et voici mon frère, Valus. Nous sommes les gardiens de cette forge. Un rôle qui a perdu de son prestige, je l'avoue. Est-ce que c'est une forge de fondateur? Non. La grande forge est silencieuse, étouffée par la corruption. Dans ses fourneaux, nous avons forgé les tours noirs des enfers et les cités des cieux. Et maintenant, c'est la viole. Et toi, l'un des quatre, cherche aujourd'hui l'aide des fondateurs? Il semble que nous soyons tous tombés bien bas. Ouais, j'avoue. Je suis venu pour l'arbre, et votre sage me parle de feu. Mais quel feu? Le feu de la montagne. Le sang du patriarche. Il coulait jadis dans notre forge, comme les larmes. Le cœur et l'âme de la pierre donnaient un immense pouvoir à nos créations. Mais la corruption les a souillés, et notre forge est muette. Ah, c'est et bête. En quoi cela me concerne? La corruption barre la route menant à l'arbre de vie. Tu es coincé ici, toi aussi. Mais si tu sauves notre forge, tu pourras avancer. Je ne vous comprends pas. Nous sommes des fondateurs, pas des guerriers. Mais nous ne sommes rien sans armes. Avant de perdre la forge, nous avions façonné une puissante créature d'âme et de pierre. Un colosse capable d'affronter la corruption. Mais pour le réveiller, il nous faut une clé des fondateurs, et donc notre forge. Peux-tu nous aider? Ah, bien sûr, ce chaudron. C'est un temple dressé dans l'ombre du pic du patriarche. Il canalisait le feu de la montagne vers notre forge. Chevauche vers l'est, traverse le défilé ardent en direction du pic du patriarche. C'est là que tu trouveras le chaudron. Ok. Votre frère ne parle pas beaucoup.
Il n'en a pas besoin. Les coups de marteau et le crépitement des flammes parlent pour lui. Oui, il travaille et vous parlez. Bref. Ouais, ça vient. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bonne chance. Merci. Alors ça, c'est quoi? Ok, vous devez être connecté. Alors on va se connecter. Hop, 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 c'est pick-up. Allez, plus vite. Voilà, je suis connecté. Réception des messages, veuillez patienter. Allez, plus vite. Erreur lors de la réception. Veuillez réessayer plus tard. Eh bien non, moi je réessaye maintenant. Voilà, c'est tout. Bon, ben ils ont pas envie. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, c'est beau quand même. Oh, ça y est, j'ai à peine de me connecter. Il y a déjà 3 millions de gens qui m'invitent à des groupes d'amis. Oh, ça va, oh. Je joue. Faut me laisser tranquille, non? La prochaine fois, je me connecte pas. Hein. J'espère que ça vous cachera pas trop les cinématiques. C'est quelqu'un qui envoie des messages. Parce que... Ouais, le genre. Vas-y, ouais, je vais te parler, moi. Par ici, tu ne croiseras que des ennemis, cavalier. Mais je ne suis pas votre ennemi. Et je dois me rendre au chaudron. Si tu apprécies l'étreinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Cette porte n'est pas là pour rien, tu sais. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort n'est l'ami de personne. Ah ouais, ça c'est vrai. Voilà. Parlez-moi des secrets du chaudron. Vous pouvez m'aider ou tous ces combats vous ont rendu sénile? Oh, j'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Mais un malin comme toi saura sûrement les éviter. Bien sûr. Je suis trop fort pour toi. Vas-y. Sésame. Ouvre-toi. Tout de suite. Eh ben, elle a mis du temps à s'ouvrir. Hein. Merci. Or, il n'y a rien pour le moment. Nous envoyons un message. Qu'est-ce que tu veux, toi? Message vocal, on s'en fout. Alors, il n'y a pas quelque chose dans la flotte, on sait jamais. Ah, tiens. Ouais. On revient par où? Ah, voilà. Tot 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 tot. Fou fou fou. Ok, bon, y a plus rien. Et saute. Ah non, il avait pas envie. Allez plus vite. Et hop. Allez. Alors normalement là je vais pouvoir prendre mon cheval. Ah oui, c'est bizarre ça, c'est, je sais pas ce que c'est. On dirait une espèce de boss, c'est bizarre. C'est un truc chelou quand même. Alors je vous présente l'arbre de vie. Voilà. Voilà, il est beau l'arbre de vie, hein.
Les traits bleus au milieu, je sais pas ce qu'il a. Et là, il y a un boss. Je sais pas ce qu'il a. Et sinon, cheval. Alors je vais vous montrer aussi quand vous l'invoquez, il est trop beau d'espère. Il a vraiment une réaction typique d'un vrai cheval quand vous l'invoquez, si vous bougez pas. C'est vraiment bien fait. Franchement, ils se sont galés sur ce coup. Ah, il y a un truc là-bas. Ouais. C'est bizarre cette porte, hein, franchement. Y'a rien en haut. Allez, moi je suis un fou, je monte en haut. Enfin, voilà quoi, vous pouvez pas monter en bas, mais bon. Allez, monte. Udada. Oula, il saute comment ce cheval, c'est un truc de fou. Ah oui, il y a aussi les flammes qui suivent, j'adore ça. C'est bien fait. Allez, saute. Ouais, c'est bien. Ça va servir à rien. Y'a rien ? Bon, c'est pas grave. J'adore les flammes qui suivent derrière. C'est vraiment magnifique. Bon, je suis venu de là. Là, il n'y a rien. Ah tiens, on va aller là-bas. Vu qu'il y a le rond qui m'indique d'aller à droite, je vais plutôt aller là-bas. Yo, bonsaï. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y aura des ennemis. C'est tout de fou. Tiens. Ah non, on dirait pas. Ouais, pas vrai, page du livre des morts. Mais si en fait j'avais raison, vous voyez. À mort. Bandai. Et Sopodeck. Ah, tu as cru, hein. Ah, il a cru jusqu'au bout, hein. C'est quoi ce bruit? Oh, moi, j'ai ça fait peur. Allez, go. Pas trop vite, hein. Franchement, il est un peu fatigué ce cheval. Ah, chargement. Le rocher des larmes. Je crois que je vais prendre la maille et tout le temps aller dans la flotte. Ça me semble bizarre à chaque fois. Je sais pas, déjà tout d'un coup qu'il y a quelque chose dans la flotte, je sais pas si c'est bizarre. Enfin, je fouille, hein, j'aime bien fouiller moi aussi. Tiens, ah ben voilà. Ouais, qu'est-ce que je disais? Il y a toujours quelque chose dans la flotte. C'est obligatoire presque. C'est toujours si vous créez pas le jeu, rien que pour aller dans la flotte en fait. Ah, bon. Bon, excusez-moi pour le téléphone si vous l'entendez, hein, mais oui, effectivement, on m'a appelé chez moi. Bon, ben, il n'y a plus rien apparemment, on dirait. Bon, on va rentrer, hein, écoutez.
Oh, on va aller super vite à cette île. Allez, et hop là, on monte. Et monte. Voilà. Allez. Invocation. Tiens, on va aller à gauche, il y a un truc qui bouge. Ah. Oh, lumière bleue. What? Par ici. Ok, d'accord. Bonjour. Salutations, cavalier. Je t'attends depuis longtemps. Ah bon? Vulgrême. Que me vaut le déplaisir de te voir. Je ne veux pas risquer de perdre mon plus précieux client. Ah bon? Pas au danger de la frontière des ombres. Me voici donc prêt à t'équiper. Ah bon? Que sais-tu donc que j'y ai? J'en suis pas là par choix. Je n'ai fait que suivre la piste sanglante laissée par tes lames. Ouais, je sais. Tu es redoutable, Tess, mais je dois pouvoir t'être utile. Je possède des articles singuliers. Ouais, des armes, quoi. Allons, jette un œil. Tu ne seras pas déçu. Ben, j'espère bien, parce que sinon, tu fais chier. J'ai de nouveaux objets, si tu peux payer. Alors, potion de renouveau, coffre doré. Ça sert à quoi? Il y a marqué quoi? Je sais pas. Un objet marchand aléatoire. Contient... Ah, voilà, peut-être contient un objet... Voilà, bon, attendez, on va voir. D'abord, je vais lui vendre quelque chose. Je sais pas, je dois avoir des trucs à lui vendre, donc de fou. Accepter. Voulez-vous vendre un objet? Ok, la faux. Enfin, je sais pas si ça garde aussi les trucs que j'ai équipés en fait. Non, il manque des pages dans le livre des morts. Tu les trouveras certainement sur ta route. Ouais, j'ai déjà eu. Si tu me les rapportes, ta récompense sera substantielle. Ok, tout bon, mais je t'en rapporte. Oh, mais attends, tiens, je vais t'en vendre alors. Nouvel inventaire. Oh, je te vends, merci. Ah, je peux pas les vendre, les pages. Tu te fous de moi, là. C'est pas sérieux, tout ça. Franchement, tu me dégoûtes. Mon cheval ne passera pas. Mon cheval ne passera pas. Mais bien sûr, et ça, c'est quoi? Ah, là, là, c'est pas sérieux, tout ça. Ah, pour chargement. Hein. Décidément, ils aiment les chargements, hein. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir des monstres. Peste bois. Oula. On dirait un peu le nom comme dans... Comment il s'appelle? Dans World of Warcraft. Peste bois. Mais je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il y en a un aussi qui s'appelle Peste bois. Alors on verra bien. Bon, attendez, je me le sens plus fort parce que... Sinon on va même plus m'entendre hein, bientôt. Voilà. Ouais, bon. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Et hop, esquive. Et hop, coup critique. Et coup fatal. Voilà. Ça, c'est fait. Ouh, coup critique. Enfin, c'était une belle petite scène cinématique que je lui ai fait. Je pense qu'il a dû aimer. Ouh, on va combattre tous les monstres comme ça. Ouais, ça va faire un bonus XP. Ouh. Oh, mon cheval. Oh, qu'est-ce que t'as fait à mon cheval, toi?
Boum. Méchant, va. Wouah. Oh, un coffre. Ouais, des sous. Oh oui, je veux. Quoi? Ouais, encore un monstre. Ouais. J'aime bien la pierre qui existe même pas. C'est un peu de fou quand même. Et boum. Sois pas deg. Non, je voulais pas faire back. Oh là 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 là. Je veux faire prendre. Merci, j'ai pu enfin m'en équiper. Quoi? Qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que t'as? Et boum. Bon, deux coups c'est pratique, je les tue. Ou plus tard je les tuerai en un coup, mais bon, ça on s'en fout. Hop, hop, hop. Ça c'est pour la rapidité. Et B. B, fais B. Fais B. Oh, j'ai fait B moi. Oh, B. Bon, ma foi, il voulait pas faire B. J'arrêtais pas de faire B, il voulait pas. Ma foi. Attends, attends, attends. On va invoquer Desper. On va faire le saut de la mort qui tue. Geronimo! Voilà. Bon, je vois plus rien là. Il s'est passé quoi? Voilà. Bon, là j'ai déjà tout enlevé. J'ai tout déblayé déjà. Ah non, il y a des survivants. A chaque fois il attaque mon cheval, toi je vais pas t'aimer mes trucs de fou. Ouh, il y a des ennemis on dirait là-bas, non? Ah ouais, il y en a deux. Il y en a deux. Allez viens mon petit, viens. Encore une page du livre. Eh ben. Boum! Double kill! Double élimination! 400 points! Y'a rien là! Ça m'a l'air un peu bizarre ça, leur histoire. C'est quoi ça? Y'a un truc pour s'accrocher. Ma foi, c'est bizarre. Là j'ai tout déblayé. Ah non, j'ai pas tout déblayé. Franchement, mais je sais pas pourquoi vous m'attaquez. Hein. C'est vraiment pas sympa de votre part. C'est quoi ça? Ouais, tiens. Ouais, je suis trop fort. Alors ensuite, il faut aller là.